Est-ce que l'aide médicale à mourir doit être offerte aux côtés de la sédation palliative terminale et des soins palliatifs? L'enfant conçu par procréation assistée doit-il avoir accès à ses origines biologiques? Comment le droit doit-il prendre en compte la famille homoparentale? Mes recherches me permettent de mieux comprendre comment le droit appréhende, plus ou moins bien, les différentes réalités sociales contemporaines. Alors, mon nom est Michèle Giroux. Je fais de la recherche sur plusieurs thèmes en droit des personnes et de la famille, mais également en bioéthique. Je me suis intéressée aux questions qui vont du début à la fin de la vie. Et ces dernières années, je me suis plus particulièrement intéressée aux enjeux sociaux liés à la reconnaissance des différentes formes familiales contemporaines. Alors, ces problèmes sociaux complexes interpellent le droit et il me semble fondamental justement de travailler de façon multidisciplinaire et de façon collaborative pour justement mieux saisir ces réalités, ces problèmes sociaux émergents. Alors, pour moi, les normes ne doivent pas être désincarnées des réalités vécues par les familles. Il me semble parfois limitatif d'imposer une solution juridique au nom, au seul nom d'un grand principe de droit comme l'ordre public, par exemple. En ce qui a trait aux entretiens qu'on a fait avec les juges québécois, il est ressorti qu'ils se sentaient souvent pris entre l'arbre et l'écorce. Donc, entre l'ordre public qui prédomine dans le Code civil en ce qui concerne les conventions de gestation, de procréation pour le compte d'autrui, et le fait qu'on leur demandait, au nom de l'intérêt de l'enfant, de prononcer l'adoption. En France, les juges se sentaient exactement de la même façon, en ce sens qu'ils nous ont dit qu'ils se sentaient un peu comme une chambre d'enregistrement, où on venait chercher leur approbation à une situation pour laquelle ils n'avaient pas trop leur mot à dire, dans un contexte où le droit était quand même assez strict et où l'ordre public imposait finalement, aurait dû imposer le non-recours à l'adoption dans ce contexte-ci.
Alors, par mes recherches, surtout avec les enquêtes terrain, j'ai l'impression que je peux faire valoir justement les réalités vécues par les familles et l'application du droit aussi à ces familles et voir comment cette réalité familiale ne cadre pas toujours avec la norme en place. Mes recherches impliquent d'envisager le droit autrement, parfois en tenant compte de l'évolution des réalités familiales et d'autres fois en tenant compte de l'évolution de la science ou de la médecine. Dans le cadre des transformations familiales complexes, j'aimerais bien imaginer, par exemple, des nouveaux fondements au droit de la filiation. Dans le cadre de ces nouveaux fondements, l'identité serait placée au centre de mon questionnement. Alors, si on m'offrait une page blanche pour écrire le droit ou pour si on m'offrait la possibilité de réformer le droit, bien sûr, dans ma loi, il y aurait plus de dignité pour les personnes, plus de respect des droits fondamentaux. Le droit devrait nécessairement aussi innover. Une autre chose qui me semblerait essentielle, c'est la souplesse dans les différents modèles familiaux, parce que les réalités familiales sont variées. En fait, le meilleur avenir pour ma recherche ou pour mes recherches serait qu'elles puissent influencer le droit, qu'elles puissent influencer la réforme du droit ici et ailleurs. Comme chercheur, j'établis un dialogue entre la société et le droit. C'est ma plus grande motivation et c'est pourquoi je fais ce que je fais.